De retour sur le devant de la scène depuis quelques semaines, après s'être retiré de la vie publique durant le long mois, Charlène de Monaco a réalisé une apparition très remarquée vendredi 17 juin 2022 aux côtés du prince Albert II. Ce jour-là, l'ancienne championne de natation était présente au sein du Grimaldi Forum de Monaco, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 61e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo. Pour assister à cet événement, la princesse Charlène avait opté pour une magnifique robe longue couleur verte émeraude. Une tenue qui a attiré l'œil des photographes présents sur place. Selon les informations dévoilées par le Daily Express vendredi 17 juin 2022, la robe portée par Charlène de Monaco lors du festival de télévision de Monte-Carlo coûte 2670 livres sterling, ce qui représente actuellement environ 3110 euros selon les cours du marché. La robe asymétrique sans manches de Charlène n'avait qu'une épaule, ce qui signifie que ce style a été inspiré par les archives L'An 20, précise le journal britannique. Outre cette tenue, la princesse portait également une paire de talons aiguilles entrecroisés dorés, ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles en cascade de diamants à 4 rangs. Le choix de l'épouse du prince Albert II pour cette paire de boucles d'oreilles s'explique par sa nouvelle coupe de cheveux blonde pixie. Charlène de Monaco, de retour après de longs mois d'absence. Pour rappel, Charlène de Monaco sort d'une longue période de convalescence loin du rocher. Tout a débuté il y a maintenant plus d'un an, lorsqu'elle s'était rendue dans son Afrique du Sud natale pour les besoins de sa fondation. Alors qu'elle devait rester seulement quelques jours sur place, son séjour s'est prolongé de force. Souffrant d'une infection de la sphère-orle, l'ancienne nageuse avait été interdite de vol par les médecins locaux. Opérée sur place, elle a finalement pu retourner à Monaco afin de retrouver son mari et ses enfants. Toutefois, son état de santé restait encore préoccupant. Charlène de Monaco a donc été contrainte de se reposer de longs mois afin de se rétablir complètement.